l'objectif de cet aménagement était de redéfinir tous les cheminements des piétons en créant des trottoirs accessibles à tous, recalibrer la chaussée pour permettre aux véhicules de bien circuler dans une zone apaisée, et vraiment donc de créer un giratoire à l'angle du chemin des Terriers qui permet vraiment d'apaiser la circulation et vraiment de marquer cette zone. Et en complément en fait, de ces alignements d'arbres, on a planté au pied des arbres et au pied des îlots une petite variété en fait, de fleurs qui là aussi sont résistantes, qui sont des vivaces résistantes, avec des tulbagias qui ont un petit feuillage violet qui après pousse tout au long de l'année, avec des iris. Et après, dans les autres massifs, on a planté des forniums, des bulbinéas, donc toute une palette d'environ une quinzaine de plantes différentes méditerranéennes qui, là aussi, résistent aux longues périodes de sécheresse, même si elles demandent au début, pendant la première année ou la deuxième année, un tout petit peu d'eau. Après, on peut les laisser sans eau, ça donne de la couleur et ça résiste dans le temps.